Et je donne la parole au vice-ministre des Affaires étrangères, M. Vahe Gevorkian. Monsieur le conseil spécial, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette soirée de célébration du 10e anniversaire de l'adhésion de l'Arménie à l'Organisation internationale de la francophonie. Je tiens à remercier Son Excellence Madame Louise Mushikibabo, secrétaire générale de la francophonie, pour avoir dépêché en cette heureuse circonstance son conseiller spécial pour célébrer cet événement particulièrement important dans la relation entre l'Arménie et la francophonie. Comme vous le savez, l'Arménie assume la présidence en exercice du sommet de la francophonie jusqu'à la fin de cette année. Elle aura la lourde responsabilité de présider 4 années durant cette fonction et de promouvoir les engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet d'Erevan. La mise en œuvre de cet agenda commun figure parmi les priorités du gouvernement. L'Arménie est une jeune membre de l'organisation. Elle ne joue pas moins un rôle important au sein de la francophonie. Elle est également profondément attachée à la communauté francophone. Nous constatons avec une immense satisfaction que la culture francophone occupe une place essentielle au sein de la société arménienne. En témoigne la participation croissante et l'enthousiasme de la jeunesse pour les initiatives francophones, ainsi que l'engagement effectif des différentes régions dans l'organisation des saisons de la francophonie fêtant la culture francophone. Je tiens à saluer le travail remarquable de l'ensemble de ces francophiles. Au terme de cette session, il nous a été permis de redécouvrir la richesse et la diversité de notre communauté francophone et de faire résonner le message de la francophonie. Je tiens à ce titre à remercier tous les acteurs impliqués, leurs contributions précieuses qui ont permis la réussite de cette session. Session faisant toujours rayonner la langue française et les valeurs de la francophonie. À cette occasion, je suis heureux d'annoncer que le 21 et 22 avril, nous aurons le plaisir de célébrer et de mettre en valeur la musique francophone en accueillant le célèbre chanteur Garou dans le cadre d'un gala-concert dédié à l'anniversaire de ses 10 ans d'adhésion. Nous avons aussi l'occasion de faire valoir ce soir les valeurs de paix, de démocratie et de respect des droits de l'homme et de la diversité culturelle et linguistique auxquelles nous sommes tant attachés. La francophonie reste pour nous cet espace de solidarité et de coopération que nous souhaitons renforcer. En ce sens, l'Arménie est déterminée à poursuivre ses efforts et son engagement au sein de la francophonie et de contribuer activement aux initiatives favorisant l'échange dynamique, les partenariats ainsi que le développement de projets inclusifs, pluriels et solidaires. Chers collègues, je vous remercie pour votre attention et votre aimable présence, et vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant, je donne la parole au conseiller spécial de la secrétaire générale de la francophonie, M. Désiré Niarahurira.
Excellences, Monsieur le Vice-ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, mes chers amis de la francophonie en Arménie. C'est grâce aux efforts conjugués de toutes les forces vives que nous pourrons réussir la francophonie de l'avenir, une francophonie qui passe par des actions. Ces actions sont diverses, c'est dans le numérique, c'est dans le mandat politique, en ce qui concerne les droits des libertés et la démocratie, c'est aussi bien sûr dans la langue française, ce lien qui unit tant le pays. L'OIF, en 2022, c'est donc une organisation transformée dans son mode de fonctionnement, plus agile, plus pertinente, recentrée autour de grands projets phares. Au nom de la secrétaire générale, donc, je me réjouis de prendre part aux festivités de ce 10e anniversaire et au concert de demain. Quel meilleur vecteur de diffusion et de promotion de langue française et des valeurs de la francophonie que la culture. Vive l'Arménie, vive la francophonie, je vous remercie.